Nous voilà amarrés au quai d'Assouan depuis hier soir, 19h. Il est 7h du matin, je profite du paysage qui nous entoure. Dans quelques instants, nous allons découvrir une des attractions touristiques de la ville, l'obélisque inachevé. Avec un poids de 1168 tonnes et une longueur de 41,75 m, c'est le plus grand de tous les obélisques connus. Il repose à l'état d'ébauche, non détaché du massif rocheux, dans une grande carrière de granit rose, ou sienite, située à 2 km au sud de Sienne, l'ancien nom d'Assouan. Les travaux de construction ont été abandonnés à cause d'une grosse fêlure non réparable dans la roche. L'Égypte offre peu de monuments en granit, mais tous les obélisques et beaucoup de statues et de sphinx sont faits de ce granit rose particulier à cette carrière. L'obélisque inachevé, datant du Nouvel Empire, donc vieux de plus de 3000 ans, n'avait jamais été déblayé jusqu'à l'hiver 1922. Ce fut fait sous la direction de Reginald Engelbach, conservateur du musée du Caire. C'est lui qui a émis l'hypothèse considérée comme la plus vraisemblable aujourd'hui pour expliquer comment on produisait ces monolithes. Les carriers frappaient le granit avec des boules de dolérite pour le fractionner et égaliser la surface. On provoquait conjointement un choc thermique consistant à chauffer puis refroidir la roche pour la fragiliser. L'obélisque n'était pas taillé, mais excavé. J'ai trouvé une autre hypothèse dans une vidéo de la chaîne Planète Raw, mais je ne pense pas qu'elle ait beaucoup de chances de séduire les spécialistes. Elle a au moins le mérite de nous montrer une partie de l'obélisque normalement cachée à la vue des visiteurs. Mais que se passait-il quand on avait creusé en dessous de l'obélisque et qu'il n'y avait plus assez de roches pour le soutenir? Et comment procédait-on pour le détacher complètement de la roche mère, le transporter, le redresser une fois arrivé à destination? Et à quel moment gravait-on les inscriptions sur ces quatre faces? Que les anciens Égyptiens aient eu la technologie pour extraire, transporter et ériger ces énormes aiguilles est encore un des mystères de leur civilisation aujourd'hui. Depuis qu'il a pris les rênes du pouvoir en 1954, Gamal Abdel Nasser rêve d'ériger un barrage sur le Nil. L'Égypte disposait déjà à Assouan d'un barrage construit par les Anglais, inauguré en 1902. Mais dans les années 50, devant l'accroissement de la population, les autorités cherchent à augmenter les ressources énergétiques et à étendre les terres cultivables, tout en évitant crues et sécheresses. Après l'échec de l'accord signé avec les États-Unis en 1955 et la nationalisation du canal de Suez, c'est finalement l'URSS qui financera le projet. Le 9 janvier 1960, Nasser lance le début des travaux de construction. L'autre côté, c'est le sud. Le sud de l'Égypte. Le 14 mai 1964, le Reich et le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev assistent à la mise à eau du haut barrage. Le projet menace cependant des trésors archéologiques inestimables. 24 temples et chapelles pharaoniques et gréco-romains risquent d'être engloutis dans l'immense lac artificiel qui portera le nom de lac Nasser. L'UNESCO coordonne alors le plus grand sauvetage archéologique de l'histoire.
une vingtaine de monuments gigantesques sont démontés et réédifiés à l'abri des eaux, dont les célèbres temples d'Abou Simbel. Si les trésors antiques sont sauvés, les hommes, eux, sont condamnés à l'exil. Les terres de l'ancienne Nubie sont en grande partie submergées par les eaux et une part importante de la population est contrainte de quitter les rives fertiles du Nil pour les campagnes arides du sud ou les grandes villes. Pendant 11 ans, 35 000 ouvriers égyptiens, 3 000 ingénieurs et techniciens soviétiques se sont relayés sur le chantier. 220 personnes y ont laissé la vie. L'URSS en a financé 40%. Le reste a été payé par l'Égypte en coton sous forme de troc. Le lac Nasser est long de presque 500 km et sa largeur varie entre 5 et 35 km. Il s'étend sur 6216 km², 5250 en Égypte et un peu moins de 1000 au Soudan. Le 15 janvier 1971, 3 mois après la mort de Nasser, son successeur Anwar el-Sadat et le président du Soviet suprême Nikolaï Podgorny inaugurent le barrage. Sadat rend un vibrant hommage à l'URSS pour son soutien politique et économique. Depuis, la tour Fleur de Lotus commémore l'amitié entre les deux nations. Le bien fondé de ce barrage a toujours suscité de vifs débats. Ses détracteurs lui reprochent notamment d'avoir diminué en aval le limon fertilisant, obligeant les cultivateurs à utiliser des engrais chimiques. Il a réduit la surface du delta du Nil, rongé par la Méditerranée. Depuis 2013, un autre barrage est devenu une source de conflit entre l'Égypte et l'Éthiopie. Il s'agit du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, construit sur le Nil bleu. Une fois ce barrage achevé, le lac Nasser risque de souffrir d'une pénurie d'eau. Ce qui signifie pour l'Égypte moins de production d'énergie hydroélectrique et moins d'eau disponible pour l'irrigation des cultures de la vallée du Nil. La première des 13 turbines de ce nouveau barrage a été mise en service le 20 février 2022. Les visites étant terminées pour aujourd'hui, nous allons en profiter pour faire le tour de la ville. Sur notre bateau, certains s'affairent, tandis que d'autres se promènent. Le bateau voisin s'apprête à accueillir les nouveaux passagers. Quant à moi, je passerai le reste de l'après-midi à contempler le ballet des Felouks sur le Nil.
demain, nous visiterons Philae, le domaine d'Isis.